Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de Green Hell. Prenez place, mettez-vous bien, si vous avez quelque chose à boire, quelque chose à manger, servez-vous. N'hésitez pas à vous mettre un tout petit peu dans le noir, ça pourrait toujours être sympa, voilà. Et avant de redémarrer l'aventure, je voulais vous remercier énormément, infiniment même, pour tous vos retours sur le dernier épisode où j'ai été un petit peu au bout de ma vie. Je pense qu'on va quand même continuer de galérer, en plus ça fait un petit moment que je n'ai pas retouché au jeu. Dans tous les cas, j'ai pas mal compris des choses grâce à vous. Et donc on est parti solo, chargé parti. Et on va prendre une des toutes premières sauvegardes qu'on a faites. Puisque pour être le mieux possible, parce que je sais qu'on a quand même, il me semble, de la santé en moins. Donc c'est parti les amis, prenez place. J'espère que cet épisode va vous plaire. Et si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le pouce bleu pour m'encourager, qui me ferait extrêmement plaisir. Et nous y sommes les amis. Oui c'est vrai, c'est joli, j'avais oublié. Bon là il pleut. Du coup, un des premiers trucs qu'on va faire, on va chercher de la noix de coco. Ce sera une très très bonne chose à faire. En plus il pleut. Bah non il pleut plus, ça y est, la pluie s'enlève. Mais du coup de la noix de coco, déjà bon, on va pouvoir la manger. Mais on va également pouvoir tout simplement les utiliser en tant que bol. Voilà, ça c'est une superbe idée. Une astuce que vous m'avez donnée, c'est tout con hein, mais c'est de pas courir. Là je vois en bas à gauche que ça va, je suis plutôt bien niveau santé mentale. Également à ne pas confondre avec la santé tout court, hein, la santé globale bien évidemment. Donc voilà, on va essayer de prendre aussi des pierres, on va éviter de les zapper. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une noix inconnue. Est-ce que je la mange ou pas? On va éviter, je vais juste la prendre. Je vais vraiment éviter de... Tout ce que je sais pas, je vais éviter de faire, d'accord? On va pas se casser la tête. Vraiment, on va éviter de s'intoxiquer. Si vous êtes d'accord. Ce que j'aimerais faire avant tout, laissez-moi revoir mon inventaire, puisque je ne sais plus ce que j'ai. Très bien, j'ai une hache. Ce qu'on va faire... Ah bah là, j'ai un petit bâton. Ce qu'on va faire, je vais me faire une petite lance qui va me permettre de me défendre contre potentiellement les serpents qui me voudraient du mal, par exemple. Vraiment, le but du jeu, on va éviter de se faire intoxiquer. D'accord, on va faire ça. Alors, fabriquer un long bâton. Il me semble que je prends une corde. Ça me fait un arc. Si j'ajoute un bâton... non, peut-être si j'enlève ça. Ah, mince, coup dur. Lance fragile. Non, mais attendez, attendez, si je prends une pierre. T'es de ma gueule? Ah, non, attendez. Si j'utilise une pierre affûtée, si je dis pas de bêtises, voilà. Et à ce moment-là, je rajoute une corde et ça me fait une lance de pierre. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. En bas à droite, on a la durée de vie des objets. Donc là, d'ailleurs, ma hache, elle va être détruite. Hein. Si je prends ma lance, je peux voir la durée de vie. Alors attends, est-ce que je peux prendre ma lance éventuellement? Voilà, je l'ai. Et plus je vais crafter, j'ai appris que plus je vais crafter et plus mes durées de vie vont augmenter, puisque du coup c'est un peu comme dans la vraie vie, hein. Plus tu sauras fabriquer les trucs hein, globalement. Donc objectif les amis, est-ce que voilà, je récupère encore un max. Objectif, noix de coco, faudrait que je récupère, là-bas je vois une pierre, comme ça je vais pouvoir envoyer des pierres sur les cocos que je... Non, non, je voulais pas récolter, ah si si si, pardon, autant pour moi. Hop, je ramasse, est-ce que je peux envoyer la pierre? Non, je peux pas l'envoyer. Je vais me contenter de récolter toutes les pierres que je vois. Il y en a pas mal en plus, hein. Il y en a plutôt pas mal. En tout cas, voilà, je vais essayer de me poser tranquille, de faire les meilleurs choix. Je vais essayer en tout cas. On va pas se précipiter puisque c'est vraiment le pire truc à faire. Alors attention aux serpents, bien évidemment. Ok, donc ça c'est pour envoyer la lance. Très bien. Très bien, très bien. Ok, j'ai entendu un serpent. J'ai entendu un serpent. Enfin, je sais même pas si c'est un serpent finalement. Mais j'ai entendu quelque chose. Donc on va faire attention dans les feuilles, on va éviter d'y passer. On va éviter de passer dans les hautes herbes, d'accord? Alors, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais en profiter hein, pour crafter de nouveau des pierres affûtées puisque j'en ai plus. Voilà, ce qui va me permettre notamment de casser les fleurs, si je dis pas de bêtises, par exemple. Par exemple, bah là il y a des fleurs en fait, on va prendre ces fleurs là, d'accord? Voyons voir si ça marche. J'essaye hein, ça marche pas. Très bien. Si je casse les feuilles de palmier, est-ce que ça va me donner des feuilles séchées? Attendez, j'essaye, hein, ça devrait marcher. Ok, je vais peut-être prendre la hache. De toute façon, la hache, elle va casser. Voilà, elle vient de casser, très bien. Eh ben, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance en ce début d'épisode, mais tranquille. Hein. Fabriquer, alors comment on fait? Rajouter la pierre, hache de pierre, voilà, tout va bien. Donc plus je fabriquerai et plus la durée de vie sera augmentée. Donc c'est vraiment bien, en vrai, c'est pas un problème si je casse les objets. Au contraire, plus je le ferai. Ok. Alors, maintenant j'ai des feuilles de bananier. Maintenant, il y a normalement des feuilles séchées. Oui, regardez. Attendez. Feuilles séchées.
ça va me permettre d'allumer les feux. Voilà, ça fallait le savoir, faut vraiment faire attention. Parmi ces feuilles de bananier, il y a des feuilles séchées. Alors, si je fais récolter les feuilles de bananier, ça me donne quoi? Un tas de petites feuilles, bah, c'est très bien. On va récolter. On va récolter puisque j'ai pas envie de... Oh, feuilles séchées, voilà, parfait. Donc là, déjà, on va se mettre bien. On a un petit stock de feuilles séchées. Comme ça, on pourra allumer des feux comme bon nous semble. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment le truc à savoir, quoi. Ça, c'est ce que je savais pas pour les trois premiers épisodes, donc c'était assez compliqué. Mais maintenant que tu le sais, c'est super, super cool. Feuilles de bananier. Il y en a peut-être encore une troisième de feuilles séchées. Il me semble que normalement, il y en a trois. Hop, je récolte, hein, je récolte tout, vraiment. Je sais pas si c'est la meilleure des idées. Mais au moins, là... Feuilles de bananier, bon allez je récolte. Voilà, très bien. Oui du coup nous on veut cocotier, on veut cocotier, on veut une noix de coco. Alors va-t-on trouver des noix de coco? Telle est la question, je vais garder ma lance à la main. Ah ok, je vois une araignée. C'est ça qui fait ce bruit depuis tout à l'heure, attendez bougez pas. Oh punaise je suis un monstre. Ok l'araignée elle est pour moi. Qu'est-ce que je peux en faire de cette araignée? Tiens les amis, on va éviter de faire de la merde. Je peux la manger ou la détruire? Je ne vais absolument pas la manger. J'imagine qu'on pourra faire quelque chose avec. Mais en tout cas je ne vais surtout pas la manger hein. Comptez sur moi pour ne pas la manger. Limite on pourrait la cuire je pense. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh, fleur inconnue. Prendre, manger, détruire, je vais prendre. Très bien j'ai pris. Mais je ne la mange pas hein. Tant que je ne sais pas ce que c'est, noix inconnue, je la prends. Franchement je mangerai seulement quand je me sentirai vraiment apte de le faire. Alors je vois pas de noix de coco hein. Je vois pas de noix de coco sur ces cocotiers. Enfin, non, je sais même pas si on peut appeler ça des cocotiers finalement. Ah, pas de chance, pas de chance. Attends, je vais récolter les lianes hein, tant qu'on y est. Ouais, je vois pas de cocotiers. Enfin, je vois pas de noix de coco finalement. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Bon, déjà, on a de quoi se faire un feu. Et ça, y a rien de mieux. Tant qu'on n'a pas de maladie, qu'on n'a pas de sangsue et ce genre de truc, en fait, tant qu'on se fait pas brûler, c'est bénéf, hein, on se met bien. Hein. Là il suffit de pêcher du poisson et on peut durer longtemps comme ça quoi. On va juste éviter de se faire mordre par un serpent ou quoi. Bah tiens il y en a juste un là. Il y en a juste un là de serpent, regardez mon pote. Oh putain c'est bon ça. Je l'ai eu. Récolté, arrête. Je viens de buter mon premier serpent les gars. Je suis content parce que c'est ce genre de truc qui arrêtait pas de me mordre dans les premiers épisodes. Oh là moi je te dépece comme jamais. Va te faire foutre. Voilà. Ah, il y a de l'orage. Tu vois, il pleut, ce serait bien d'avoir des noix de coco là pour pouvoir remplir des bols et avoir de l'eau. Là, il y a pas de la coco là. Attendez. Ah, forcément là. Vous en voyez ou pas hein? J'en vois pas. Hein. Ça c'est pas sympa ça. Il y a pas de noix de coco? Alors, il peut très bien y en avoir par terre bien évidemment, mais alors là, pour le coup, je n'en vois aucune hein. Petit bâton, hop c'est pour moi, j'ai pas de place, très bien. J'ai évité de trop partir loin, pour le coup. C'est vraiment pas le but. What? Ok. On a plein de palmiers. Mais je m'en fous là, y a pas de noix de coco. Alors ce qu'on va faire, on va revenir, entre guillemets, dans notre zone safe. Attends, on va casser ça là. On va casser ça. La pierre affûtée c'est sympa, hein. Franchement c'est très sympa. Hein. Allez, je suis en train de m'épuiser par contre, mais tranquille. Parce que tant que j'ai pas de maladie ou quoi, je peux dormir et je perds pas trop de santé, donc c'est cool. Bon, visiblement... Attendez, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit qui me plaît pas. Donc je fais attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des feuilles de bananier. Est-ce que je peux les prendre? Ah oui, non, du coup, si je les prends, ça fait ça, quoi. Donc j'en ai rien à faire. Enfin, des feuilles séchées, moi, ça m'intéresserait. Feuilles séchées, là. Oh là là. Ça fait plaisir, il y en a une là, je crois. Oh là là, ça y est, je commence à reconnaître, là, les gars. Ça y est, je deviens un gamer... Un gamer pro. Alors tu sais quoi? Oh une plume d'oiseau. Excellent. Je prends tout et je vais tout mettre ici. Hop. Comme ça il n'y a rien d'autre. Par contre la plume d'oiseau elle est là. Parfait. Excellent. Comme ça je vais pouvoir même faire des flèches. Ah c'est excellent. Bah oui je peux faire un arc et tout. Comme je connais le craft. Et bah nickel. Bah tu sais quoi, on va prendre toutes les feuilles de bananier. En tout cas tout ce que je peux prendre. Et on va les ramener en zone safe hein. Enfin j'appelle ça la zone safe. On va se mettre là-bas. Je peux toujours pas boire. Ça c'est problématique. Qu'est-ce que c'est que ça, une grosse pierre? Je peux toujours pas boire. Peut-être qu'il y a des noix de coco qui traînent ici. Donc on va aller regarder. J'espère que oui. J'espère que oui. Dans tous les cas, nous on va pouvoir se faire un feu. On va pouvoir se faire à manger. On va pêcher du poisson. Donc à ce niveau-là, on est bien. Niveau énergie, on n'est pas bien. Mais on va se reposer tranquillement. Je vais mettre ça ici. On va se reposer tranquillement. Alors, des noix de coco.
Où c'est qu'on en aurait? Parce que ce serait pas mal que pendant qu'on dorme, nos bols se remplissent, quoi. Là, y a pas de la coco? Ah, on est d'accord, y a pas de coco, hein. Ah, c'est relou, ça. Je vois pas de coco. Bon, après, comment je ferais pour envoyer d'ailleurs la pierre? Attendez. Bougez pas. La pierre. Fabriquer, détruire. Ah non, je peux même pas la prendre. Comment je fais, pierre? Comment je ferais pour l'envoyer, la pierre? Bonne question. Ah, peut-être si je prends la pierre affûtée. Ah oui, je peux l'envoyer, ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, là, c'est un peu la merde. Je vais aller dormir. Je vais vite aller dormir, parce que là, mon énergie, c'est pas bon. Donc, je vais aller dans mon petit abri, dans mon petit lit douillet que j'ai fait là-haut, là. Pour pas que je m'écroule par terre. Parce que si je m'écroule par terre, c'est la merde. Du coup, ce que je vais faire, d'ailleurs, attendez, bougez pas. Faut vite que je me dépêche de le faire, avant de m'écrouler. Je vais me faire un feu, pour éviter de... Enfin, ça me fera du bien à ma psychologie, vous savez. Du coup, utiliser. Normalement, j'ai donc feuilles séchées. Ah, par contre, du coup. Ah, je suis épuisé. Je peux pas. Tant pis. Fuck, je dors. Allez, je vais dormir. Faut mieux que je dorme. D'accord, je pense. Comme ça, je prends un peu d'énergie pour allumer un feu. Ma santé, elle diminue, mais pas trop. Ah, vas-y, je me réveille pas là. Voilà. Ça sert à rien, autant que je me repose à fond. Là comme ça, normalement. Sac à dos. Attendez, bougez pas. J'ai encore un petit peu du mal, hein, vraiment au niveau des... Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Hop, feuilles séchées, là j'ai assez d'énergie pour allumer le feu. Voilà, t'énerve pas mon pote. Hein. Donc là la santé mentale elle est bonne. Par contre du coup, voilà, la santé elle est pas... Enfin la santé physique, etc. C'est pas ouf, parce que évidemment j'ai un petit peu soif. Par contre la feuille de bananier elle m'embête. Hein. Hop. Ça dégage. Voilà. Donc. J'ai même pas de sensu sur moi. J'ai aucun problème, si ce n'est... Voilà. Si ce n'est que je veux bouffer. Je veux boire. Voilà. Alors, la bouffe, on va pêcher du poisson. Pour la viande, c'est bien. Enfin, pour le poisson, du coup. Mais j'aurai pas les protéines, etc. que je veux. Enfin, je m'y connais pas. Hein, mais tout ce qui est glucides, etc. En plus, là, je suis incapable de voir s'il y a des cocotiers ou pas. Donc là j'ai extrêmement soif et je ne vais absolument pas boire l'eau à la source, évidemment ce n'est pas bon du tout. Hein. Donc malheureusement je vais devoir faire avec. Je vais devoir faire avec et par contre je vais pêcher du poisson en espérant, bah, c'est vrai qu'on voit pas grand chose là. On voit pas grand chose la nuit, c'est pas une bonne chose. Là j'ai un poisson devant moi. Allez, je crois que je l'ai eu. Absolument pas. J'ai eu personne. Alors... Je suis désolé, hein, j'ai bien conscience, sur YouTube j'imagine qu'on verra pas grand chose. Mais je vous rassure, je vois autant que vous. Hein. Je vois autant que vous. Oh ouais, attendez, un escargot. Hop, je prends. Et attendez, je m'étais renseigné, ou alors non, il me semble que c'est un commentaire qui me le disait. Si je le cuis, ça m'augmente ma santé mentale, il me semble. Voilà, donc c'est assez intéressant. Après là, ma santé mentale va bien, hein, mais là il y a plein de poissons, mais... Hop! Ah là, ça c'est pour moi. Ok, j'ai un poisson. On va retourner près de notre feu, d'accord? On va retourner près de notre feu. Tranquillement. On va se mettre bien. On va pouvoir manger. Même goûter un escargot, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut faire cuire l'escargot. Et une fois qu'on aura fait ça, le jour se lèvera, il faudra absolument qu'on ait à boire, quoi. Le feu il s'éteint, c'est une blague? Arrête. Ah par contre, santé mentale, j'ai des sangsues sur moi. Alors vite, ça va être très chiant. Ça va être très très chiant les sangsues. Ok, ça dégage. Ok. C'est bon, normalement j'ai plus la loupe là, donc vous m'avez tout bien expliqué, donc ça c'est vraiment... Pardon, c'est vraiment très plaisant. Alors, l'allume-feu, il est pas là, il est ici. Utiliser. Voilà, ensuite, feuilles séchées, évidemment. Voilà. Impeccable. Le jour se lève tranquille, ça fait plaisir. On allume. Et donc là, normalement, alors déjà, le poisson, je vais le récolter. Voilà, comme ça j'ai même des arêtes de poisson. Et alors normalement, l'escargot il est là. Est-ce que inséré? Eh ben voilà, je peux le mettre. Voilà, je vais cuire un petit escargot. L'araignée, on va la cuire. Eh ben voilà, je suis sûr que ce sera bon. Effet consommable inconnu. Effet consommable inconnu. Ah, donc peut-être que ça va quand même m'empoisonner. Mais franchement, je pense, très sincèrement,
En étant logique. Ok, santé mentale plus 2 parce que je suis à proximité du feu, donc ça c'est vraiment cool. En étant logique, si tu cuis une araignée, elle sera plus dégueu, je pense. Je pense qu'elle sera bonne. Fleur inconnue, Ah bah c'est utilisable pour allumer un feu, je pense, c'est séché. Excellent. Ah, oh, on peut bouger l'inventaire. Excellent. Noix inconnue, est-ce que je la mange ou pas? En vrai, non, je vais pas manger, tranquille. Oh, j'ai faim, mais t'inquiète pas, tu vas manger mon copain. Tu vas manger mon copain. D'ailleurs, vous savez quoi les amis? Parce que... Oh, salut toi. Très mignon comme animal. Parce que j'ai un peu peur de mes actions, et comme là on n'est pas trop mal en vrai, je vais me permettre de sauvegarder les amis. Je vais mettre ça en ici là, voilà, hop, j'écrase ici. Et comme ça maintenant je vais pouvoir manger l'araignée, et au pire si jamais ça m'empoisonne et que je meurs, bah c'est pas grave. Non, non, mais je préfère anticiper les gars, faut mieux anticiper. Mais j'ai envie de découvrir ça. Ça y est, l'araignée, elle est bonne, je vais la manger, et on va voir. Ok. Eh ben ça m'a fait aucun problème à part ma santé mentale qui a diminué de 5, mais c'est pas grave parce que voilà, je suis très très bien au niveau du feu. L'escargot normalement il doit être bon, on va goûter. Oh très bien, santé mentale plus 5, bah tu vois. Et des protéines, donc là, là les gars, donc ça me donne des protéines. Très bien, les protéines c'est le vert je crois hein. Les protéines ça va être le vert, le rouge c'est la viande et le jaune ça va être des glucides. Ah je fais genre je m'y connais mais ça va être un truc comme ça. Par contre... Bah oui, non non mais attends, panique pas. Alors t'as soif, là je peux rien faire pour toi. Par contre on a de la viande encore. Oh on a même du serpent encore. On a plein de bouffe, mais c'est excellent en fait. Bon, les noix de coco les amis, il nous faut des noix de coco. Ce n'est pas une blague. Alors bonjour les noix de coco. Me fait peur ce bruit. Les noix de... Oh les gars, j'ai cru en voir une sur cet arbre. Après je suis peut-être un peu un tocard. Alors par contre, si je m'épuise à sauter. J'ai cru voir une noix de coco les gars. Alors je suis un tocard je crois hein, mais il y a absolument aucune noix de coco. Non, il y a absolument aucune noix de coco. Ah, c'est pénible hein. Ça ça va être la difficulté hein. Parce que vraiment bon vous m'avez dit hein, après c'est cheaté quoi. Une fois que t'as les noix de coco, bah c'est bon, t'as tes bols bah, c'est fantastique hein. Long bâton, attends. Non, non mais tais-toi, c'est le long bâton que j'aimerais. On va fabriquer, manger quelque chose de riche comme des noix. Ah, vas-y je vais faire ça. Normalement j'ai des noix. Noix inconnue, vas-y je mange. Oh yes, 15 lipides. Et ça me... c'est bon. Ok, allez. Les noix là on va les manger tout le temps, elles sont trop bonnes. Parfait. Fleur inconnue, on s'en fout, fabriquer. Alors du coup fabriquer, je vais refabriquer une lance les amis. Pourquoi je peux pas? Eh ben alors un... Ah bah vas-y je vais faire l'arc. Ce sera pas mal. Ouais par contre du coup. C'est bon ça. Dès qu'on trouve une noix on pourra la prendre. Oh des bananes. Excellent, allez. On va les prendre, on va pas les manger, on va les prendre. En cas de... Parce que là si je regarde ma smartwatch, niveau en bas à gauche là les fruits c'est bon quoi tu vois. Si j'ai bien compris hein. Enfin les fruits. Je m'y connais pas, je dis les fruits mais... Les lipides là ou les glucides je ne sais pas, je... On va pas parler technique, mais je vais vous dire que voilà, la jauge verte elle est bonne quoi, tu vois. J'ai soif, oui, oui, mais j'ai toujours pas de noix de coco, mon ami. Un jour j'en aurai, je te jure. Je te jure que j'en aurai. Y'en a pas. Hein. Après, ça se peut, je suis aveugle et y'en a et. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voyez. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis en train de perdre de l'énergie, d'accord? Et que ma santé elle est pas bonne. Pourquoi ma santé elle est pas bonne? Tout simplement parce que j'ai soif. Donc malgré que je mange. Bah je perds quand même de la santé. Autrement dit c'est du gâchis. Ah oui. Mais bon il faut quand même que je mange. Eh mec. Oh, j'ai pas réussi à le choper, ça aurait été sympa. Allez, je prends et je vais manger aussi le poisson que je me suis préparé. Sac à dos. Bah je vais pas manger tout de suite, je vais garder sur moi. Et en attendant, attends, tu sais quoi? En attendant, je vais faire cuire. Attends, soyons logiques. Hein. Le serpent que j'ai pris là. Incroyable, parfait. Puis j'ai encore des bananes sur moi. Non en vrai, c'est pas mal. En vrai. Manger, récolter, détruire. Oh, j'ai pas envie de gâcher. Je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec la banane, mais je préfère la manger pour le coup. En cas de grand besoin, quoi. C'est dommage parce qu'il pleut. Hein. C'est vraiment le moment de remplir les noix de coco. Hein. Donc j'aimerais bien trouver une noix, quoi. Bon, on va un petit peu marcher. On va un petit peu marcher. On va essayer d'en trouver sans trop s'éloigner, si possible. Là, le but du jeu, c'est pas de trop s'éloigner, quoi. C'est quoi ça? Un champignon. Champignon inconnu. Il a pas l'air très beau. Hein. Détruire. Ah non, je vais le prendre.
Mais je vais pas le manger par contre. Ça je vous jure, je vais pas le manger, je sais que ça m'intoxiquera, c'est sûr. Ah, je commence à être fatigué par contre. Peut-être pas une bonne idée que je m'en aille en fait, faudrait que je dorme. À moins que je trouve une noix de coco. Mais j'en vois pas. Là, ça a pas poussé là. Je reviens tout le temps là au cas où parce que je me dis bon, sur un malentendu. Et tu sais quoi, en vrai, j'ai rien à perdre. Ça se peut, ça se peut, ça a été bien codé. Et il y a peut-être pas de noix de coco, mais si je l'envoie là, vas-y, j'essaye. Non, mais en vrai, il y a pas de noix de coco, c'est débile. Ce que je vais faire est débile. Vas-y, j'envoie un caillou en haut. Voilà. C'était débile. Bon, moi j'aurais essayé. Hein. Je sais pas. Hein. Faut essayer quand même. Hein. Bon, allez. Je me casse. Parce que là, je suis en train de perdre toute mon énergie. Et je vais m'évanouir par terre. Et ça, c'est le truc qu'il faut pas. Parce que si je m'évanouis par terre, je vais me prendre plein de sangsues. Et surtout plein de trucs dégueulasses. Et je vais également me salir dans la boue, etc. Donc, c'est pas le bon plan. Donc, je vais me dépêcher. Sans m'évanouir, je l'espère, de vite aller dans mon petit lit et dormir dans le petit lit. Ça va, j'ai les petites techniques. Donc c'est pas mal. Voilà, et là maintenant je peux dormir normalement en toute sérénité. Je vais pas trop perdre en santé normalement. Je me réveillerai s'il le faut. Voilà, maintenant que j'ai pris l'énergie, impeccable. Là j'ai de la viande, je vais la manger. 8 protéines, par contre ça m'enlève la santé mentale. Hein. Ça m'enlève un peu de santé mentale, pardon. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on prend, c'est pas énorme. Voilà, comme ça, ça me redonne de la protéine. Ça, c'est cool. Donc là, vraiment, ce qui me manque, c'est le jaune. Et d'ailleurs, ce qui est excellent, les gars, c'est ce que je pense. C'est que le jaune, ça veut dire quoi, regardez. Le jaune, c'est les fruits. Et comme par hasard, les noix de coco, c'est ce qui me manque. On est d'accord, c'est des fruits, les noix de coco. Ah non, les noix. Les lipides. Ok, je comprends rien. Allez, enfin, j'ai confondu. Mais dans tous les cas, j'ai pas de noix de coco. Et moi je veux juste des noix de coco, en fait on peut pas avancer dans l'aventure si je n'ai pas de noix de coco. Bon déjà j'arrive à me gérer, c'est l'essentiel. Déjà tant que j'arrive à me gérer un petit peu, ce serait encore mieux avec des noix de coco évidemment. Et regardez comme c'est beau. Est-ce que ce jeu ne serait pas un des jeux les plus magnifiques du monde? Vas-y là, il y a bien une noix. C'est pas possible. Il y a des palmiers partout gros. Ah mais c'est impressionnant. Non. Ah. Non. Attendez, j'ai une idée si je traverse ici en vrai. Parce que je me dis ça sert peut-être à quelque chose ici. Y'a pas des... Y'a rien. Par contre là, y'a des champignons. Champignons inconnus. Je vais les prendre. Encore une fois, je vais pas les manger. Je vais pas les manger, je vais suivre mon instinct. J'ai aucune envie de les manger. Vraiment. En tout cas pas comme ça. Hein. Ça c'est clair. Oh les gars, ça c'est pour moi. Voilà. Le poisson, c'est pour moi. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Hop, je te récolte. Ici c'est un bon spot je pense pour les poissons en vrai. Il sert peut-être à ça cet endroit. En vrai c'est mignon. Eh hey, mais attendez, si je longe là. Eh hey, attendez, je découvre en vrai mais... Je découvre des petits endroits là, c'est mignon. En fait, bah ouais, je suis jamais descendu en bas, mais il y a peut-être des noix de coco ici. S'il y en a une ici, c'est énorme. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. J'ai quand même pas l'impression qu'il y en ait. Il y en a pas par terre? Vas-y, hein. Eh, je vais nager. Hein. Je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais je vais longer là autour, on va voir. Ah non, ici c'est un cul-de-sac. Ah ouais, c'est un cul-de-sac, dommage. Je vais m'épuiser pour rien. Par contre, apparemment, en bas à gauche, je vois qu'il y a la loupe qui est activée. Ça veut dire qu'il faut que je m'examine. Donc potentiellement, je dois avoir des sangsues sur moi. Enfin, j'imagine que c'est ça parce que je vois pas qu'est-ce que j'aurais pu choper. Mais j'aurais dû voir ça déjà avant parce que je pense que je les ai chopés la nuit là. Enfin, la nuit. Pendant le temps que je me suis reposé par terre, c'est dommage, j'aurais dû voir ça plus tôt. C'est pas grave. Du coup, hop, examiner. Et du coup, normalement, on devrait vite voir. Ah ouais, en effet, pas mal de sangsues. Ouais, c'est bon. Bon. C'est dommage là pour boire, je sais pas comment faire les amis. Enfin si, du coup il me faut des noix de coco quoi, c'est de toute évidence. Est-ce que je peux éventuellement... voilà. Pour que je bois, il faut des noix de coco. Ah attendez, ces palmiers là en face peut-être. Non mais là je vais me révanouir en fait. De toute façon on pourra pas avancer tant qu'on pourra pas boire. Hein.
Ah ouais, là je vais crever de soif. En fait, j'ai juste crevé de soif. Faut savoir, les amis, mais je pense que vous le savez tous, hein. Le plus important, que ce soit en survie et même dans la vie de tous les jours, c'est boire. C'est pas manger, c'est boire, vraiment. Un humain peut vivre, peut survivre même sans manger, genre des mois, il me semble. Par contre, une semaine sans boire, t'es mort. Je crois, hein, je veux pas faire genre le mec qui s'y connaît, hein, un truc dans le genre. Tiens, je vais faire cuire la chair. Je sais même plus ce que c'est, ça va être du poisson, et puis je vais dormir. Hein. Je vais me reposer un peu. Hein. Pas le choix. Juste histoire de. Faut faire ça, hein, pour se reposer. Hein. Voilà. Allez, on se réveille tranquille avant qu'il fasse nuit. Oh, trop tard, il fait nuit quand même. Ah, j'ai les cendres du feu de camp, mince. Le feu il s'est arrêté. Ah non. Charbon. Ah, le feu il s'est cassé, d'accord. Ah, c'est excellent ça, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle ça. Alors, comment on fabrique ça? Comme ça. Bang. On va le mettre ici. Très bien. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Excellent, il me manque un bâton. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai une chance incroyable. Voilà. Non, c'est un petit bâton. Petit bâton. Ah, j'ai pas de chance, hein. Évidemment, c'est que des petits bâtons qui me restent. Ah, voilà, un bâton, parfait. Oh là là, j'ai pas de chance des fois. Hein. Voilà. Maintenant, mon ami, je te propose... bah non, t'as rien à fabriquer, on va juste utiliser l'allume-feu. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai plein de feuilles séchées. Regardez, putain, j'en ai 11 quoi, au total. J'ai assez d'énergie, normalement. Parfait. Allumage du feu, ça m'augmente la santé mentale. C'est super bien fait, c'est très logique. Hein. Forcément, ça t'ajoute de la satisfaction et tu te dis « Ah, putain, ça fait du bien. » Allez. Détérioration. Non mais attends, mais mange encore. What? Braise nécessaire. Non. Oh non, c'est parce qu'il pleut. Oh, je suis grave deg. J'aurais dû mettre le feu ici. Je suis un tocard. Je suis un putain de tocard, les gars. Vous allez m'insulter, je suis désolé. D'ailleurs, vous auriez bien raison de m'insulter. Bah ouais, il pleut, en fait. Carnet, bah go, on refaire un sous l'abri, quoi. Par contre, faut pas parler chinois, là. Voilà. Et ben go, en remettre. Sachant que j'ai absolument plus aucun bâton. Ouais, en fait, tu vois, le jeu, il est tellement bien fait. Et t'as pas l'habitude, en fait, dans les jeux, que ce soit bien fait. Enfin, je sais pas comment dire. Hein. C'est pas, je suis pas en train de reprocher de critiquer The Forest, hein. Mais sur The Forest, il pleut, le feu il s'en fout. Hein. Tout genre de trucs, t'as l'habitude de courir, etc. Mais il faut pas courir quoi. Il y a plein de bâtons. Est-ce que je coupe un arbre en vrai? Vas-y, en vrai, je vais couper un arbre. Hein. J'ai une hache encore. Ouais, je suis en train de crever hein, globalement. Allez. Enfin, je suis en train de crever. Je perds de l'énergie. Récolter. J'espère que je vais avoir assez de bâtons là. En plus, il pleut plus là. Je me fais arnaquer depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Hein. Ah ouais, le jeu me troll, vous avez vu. C'est-à-dire que là, je peux allumer le feu maintenant. Même s'il est dehors. Oh, c'est pas grave, ça me fera deux feux. Un pour la pluie et un pour temps sec. Pas mal, hein. Il y a du bâton là. Hop, impeccable. Bon. Je me débrouille mieux quand même que les premiers épisodes, hein, forcément. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Bah du coup, on va allumer celui-là. Hein. Attends, je vais récolter ça. Alors, l'allume-feu utilisé. C'est pas du tout redondant, hein, par contre. Hein. C'est faux. Alors, feuilles séchées. Bah oui, en plus, je gâche un peu des feuilles séchées, mais c'est simple à récolter, donc c'est sympa. Et voilà, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Allez, repose-toi. Non, mais là, ça va être très vite pénible. Ça va être très vite pénible, les amis. Faut qu'il soit au minimum à la moitié. Je vais crever entre temps. Non, c'est bon. Voilà, réveille-toi. Parfait. Voilà. Par contre, là, il pleut. Enfin, il y a de l'orage. Tu sais quoi, je vais allumer celui-là dans le doute. Hein. Ce sera plus intelligent. Au cas où il pleuve. Voilà. Impeccable. C'est cadeau. La nourriture maintenant. La nourriture. Ah ouais, mais c'est cramé, putain. Bah attends, on va manger cramé. Santé mentale moins 2, mais 17 protéines. C'est très bon le cramé en vrai, c'est très bon. Parfait. Bon bah voilà. Le champignon inconnu, tiens, on va le faire cuire. Voilà. Pareil là, le... Alors pas le gris. Le gris il me dit rien. Je vais vous dire, le gris il me dit rien, mais le rouge, je pense que c'est ça peut être bon. Donc on va faire ça. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Bon. On va rester près du feu en attendant, là, le temps que la santé mentale... Enfin, la santé mentale, je suis bien en vrai. Hein.
la santé mentale, il n'y a pas de problème, c'est vraiment tout le reste, quoi. Ah mais les gars, j'ai soif, j'ai vraiment... Vraiment, c'est la dèche. Vraiment, c'est la dèche. Comment on pourrait trouver une putain de noix de coco? Surtout que s'il faut partir loin, moi, je vais m'épuiser, je vais mourir, en fait. Donc, je peux même pas... Je peux même pas partir trop loin, en fait. C'est ça, la petite subtilité. Alors, les champignons, ça y est, c'est fini? Mais ça a pas du tout cuit, là. Si, ça a cuit. Allez, je mange. Oh, punaise, énorme. 5 glucides, les gars. C'est le truc en haut à droite. Eh ben, c'est génial. Là, au moins, j'arrive à maîtriser... Là, les gars, j'arrive à maîtriser et la viande, et les glucides, et les lipides. En gros, voilà. Mais par contre, toujours pas la soif. Hein. Ça, c'est indéniable. Bah, du coup, vas-y, hein, on va faire encore cuire le champignon là. Pareil pour le champignon inconnu ici. Et non, en vrai, ça cuit pas. Hein. C'est des conneries. Hein. Ça se mange direct, en fait. Ah ouais. Par contre, ce champignon inconnu là, il me fait peur, je vous jure. Je vais pas le manger. Celui-là, là, je vous jure, je vais pas le manger. Je vais le mettre en bas à gauche. Il me fait très peur. Je pense pas qu'il soit très bon. Détérioration dans une journée. Donc, j'ai encore le temps pour les bananes. Hein. Fleurs. Inconnu. Ouais. Et attendez les gars, au hasard, ça va pas récolter de l'eau? Je sais pas hein. En vrai, on sait jamais si ça peut peut-être pas récupérer de l'eau. Ah, faut essayer les gars, faut essayer hein. Dans la vie, si t'essayes pas, tu peux pas être un champion hein. Bah vas-y hein, dors, on va faire passer le... On va faire passer la nuit, d'accord. Et on va remettre le jour. Voilà, réveille-toi. Là, le jour se lève. Et on va reprendre ça parce que ça sert à rien. Et on va partir chercher des bordels de noix de coco, les amis. On va bientôt s'en arrêter là pour cet épisode. Je vous rassure. Je sais que vous aimez bien les épisodes longs. Mais j'aimerais bien arrêter cet épisode une fois qu'on aura une noix de coco, si possible. Ou alors, bah, si j'en trouve pas, on va s'en arrêter là quand même. Mais je veux dire... On va se donner encore 5-10 minutes, tu vois. Non, on va dire 5 minutes à peu près. Pour pas être trop déçu. Hop, je récolte. Voilà, ça me fait pas mal de pierres, c'est sympa. Bon. C'est sympa. D'ailleurs, je vais en profiter, hein. Directement pour fabriquer des pierres affûtées, parce que c'est ce que j'enverrai... C'est ce que j'enverrai sur les arbres, quoi. Dès que j'en trouverai, bien évidemment, des cocos. Chose que je ne trouve pas. Donc là, il n'y en a pas... De toute évidence. Donc on va un peu se balader. On va juste faire attention. Pas qu'il y ait des... What? Oh putain. Les gars. Oh les gars. Vous avez entendu? Oh putain. Alors, j'étais prêt à tout. Mais alors sauf à ça. En fait... Non, alors ça me fait extrêmement peur. Il y a des gars d'une tribu là. Ceux qui nous ont chassés d'ailleurs. Oh. Je suis là en paix hein. D'ailleurs, si vous avez des noix de coco, bah, je suis preneur hein. À la base, je me méfiais juste des migales et tout. Toujours pas de noix de coco hein. Là, j'en ai. Les gars, il y en a. Les gars, c'est excellent. Les gars, j'ai une érection. Putain, les gars, en plus, non seulement je suis fort. Ramasser. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Comment ça marche? Vite avant que je me fasse attaquer. Yes. Boisson. Oh oui. Récolter. Coquille. Ça m'a donné les trucs. Ça y est. Oh les gars, je suis un monstre. Ok, boisson. Voilà, on récolte. Je récupère ça. Voilà, j'ai des sangsues sur moi mais je m'en fous. Je vais encore récupérer ceux en haut là. Hop, trop fort. Point faible, trop fort. Champignons inconnus, on mange parce qu'elles sont bonnes. Voilà, ça je le sais. Oh les gars, je suis un putain de monstre. Allez, boisson. Excusez-moi, mais je suis très content. Voilà. On se casse.
On se casse pas, on va d'abord enlever les sangsues. D'accord. Oh les gars. Merci de croire en moi, hein. Vraiment merci de croire en moi parce que j'y croyais plus du tout. Et vous avez cru en moi si vous êtes encore là. Par contre, j'ai entendu un gars. Et ça, ça fait un peu moins plaisir. Et bah regardez en bas à gauche ma jauge, comment elle fait plaisir là. Avant j'étais quand même, tu vois. Et là on est bien. Là, on est très très bien. Donc je vais me précipiter sans courir bien évidemment, pour sauvegarder la game. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc hop, je sauvegarde. Ici, hop, parfait. Et ce qu'on va faire, en vrai, faut qu'on fasse un truc stratégique et qu'on soit regroupé au même endroit. Parce que à chaque fois, on fait des allers-retours vers mon lit, vers mon point de sauvegarde, etc. On va s'installer là, les gars. On va s'installer là parce que c'est safe, c'est mignon, etc. D'accord. D'accord, d'accord. Et on va mettre les bols ici. Les coquilles, on les met comme ça, d'accord. Non, pas empilés. Non, sois pas con quand même. Pourquoi j'arrive pas à faire comme ce qu'ils font, les gens? Bon, bref, tant pis. On va faire ça comme ça. Ah, celle-là, elle est pas cassée par contre, attendez. Voilà. Et comme ça, prochaine fois qu'il pleuvra, on aura 2, 4, 6, on aura 6 bols. Ah, par contre, je sais pas faire. Ah, il faut bouger soi-même, d'accord, je viens de comprendre. Ah, tant que je comprenne comment ça me fonctionne. Voilà, comme ça, ça, c'est fait. On aura de l'eau. Oh, les gars, je suis refait. Je suis sincèrement refait. Est-ce qu'on peut se fabriquer, tant qu'on y est, avant qu'on arrête là, un petit truc pour save et pour dormir là? Mais pas trop chiant. Attendez, bougez pas. Je ne sais absolument pas comment on fait. Si voilà, charpente en bambou, des murs, très bien, je m'en fous. Ah bah c'est ici, pardon. Un petit abri. Permet de sauvegarder, mais pas de dormir. Et là on a un lit en feuille, on a une hutte, permet de sauvegarder une partie. Ça permet de dormir aussi. Ah mais c'est la hutte qu'on a fait en haut. Petit abri en bambou. On va faire ça, bâton, long bâton, corde, feuille de palmier. On va faire ça les amis. Mince. En fait j'ai peur que les indigènes y viennent. En vrai je pensais qu'on était en zone safe ici. J'ai pas l'impression. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va se mettre direction l'eau, comme ça c'est très bien. Voilà. Et on va créer ici, on mettra les bâtons, tout ce qu'il faut. Bon bah les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Un maximum de pouces bleus s'il vous a plu, pour m'encourager. Et je suis super content de cette série, on se retrouve très très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo. Ciao ciao tout le monde.